Le stade du Roudourou affiche complet près de 15 000 spectateurs pour cette rencontre disputée donc hier soir à Guingamp. Vous voyez, certains ont trouvé de la place où ils le pouvaient. Et bien sûr, Noël Le Graët accueille Michel Denisot dans son fief. C'est parti depuis deux minutes. Daniel Bravo alerte Francis Lasserre côté gauche. Celui-ci parvient à déborder, adresse un bon centre à destination de Rail. Heureusement, Angelo Hugues veille pour les Guingampais. Nullement impressionnés par leurs adversaires, les hommes de Francis Smereki tentent crânement leur chance. La défense parisienne a du mal à se dégager. On ne joue que la troisième minute et c'est Michel qui de 25 mètres adresse une bonne frappe qui frôle le montant droit de Bernard Lama. Un quart d'heure de jeu, décidément les Guingampais ne font aucun complexe. Rouxel a servi son compère Guy Varche. Attention à ce duo qui a inscrit 39 des 50 buts dans un Guingamp en National 1A. On revoit cette occasion, on s'aperçoit que le tir de Guy Varche est contré par Alain Roche et qu'il est à deux doigts de surprendre Bernard Lama. Ça fait pas mal la Nationale 1, je vous vois. Elle ne joue pas mal du tout la Nationale 1, comme le dit Noël Le Graët. Effectivement, sur le terrain, on ne dirait pas que deux divisions séparent ces deux formations. Et là, c'est Michel qui tente d'inquiéter une nouvelle fois Bernard Lama. Les Parisiens réagissent, on approche de la pause. 43e minute, Jean-Luc Sassus parvient à déborder côté droit. Centre parfait pour George Weah, libre de tout marquage, qui catapulte le ballon au fond des filets d'Angelo Hugues. Bravo George. Complètement démarqué, George Weah ajuste Angelo Hugues et permet donc aux Parisiens de prendre l'avantage deux minutes avant la pause. Des Parisiens qui se montrent à nouveau dangereux. 44e minute, Lasserre pour Le Guen. Le capitaine parisien arme son pied gauche. Hugues repousse avec l'aide d'un défenseur. On entre dans les dernières secondes de cette première période. Rouxel face à Alain Roche. Il fait passer un frisson dans le dos des supporters parisiens. Hélas pour lui, son tir heurte la barre transversale de Bernard Lama. Et vous n'avez pas besoin de renfort pour aller en D2, hein ? Non. Nous sommes en deuxième mi-temps. Coup franc de Valdo. Tête de Sassus repoussée par un défenseur de Guingamp. Ça fait bien, c'est fait, hein. Pour l'instant, on n'est pas à l'abri non plus, hein. Il reste un quart d'heure à jouer. Coup franc pour les Parisiens, frappé par Alain Roche, mais bonne claquette d'Angelo Hugues. Les Guingampais jouent leur va-tout. Rouxel a servi Guy Varche. Il prend sa chance de 25 mètres, mais n'inquiète pas Bernard Lama. Les meilleurs sont en contrat. 82e minute, corner botté par Carnot, tête et but de Rouxel qui égalise, mais l'homme en noir de cette rencontre, Monsieur Saul, refuse le but. Explication. Le joueur qui est chargé de botter le corner tape dans le ballon sort du terrain avec un effet, si vous voulez, par le brossé du shoot, le ballon revient sur le terrain. Le ballon y a franchi entièrement les limites du terrain, il est donc hors jeu. Difficile de juger sur les images, en tout cas, dans la tribune, Michel Denisot a tremblé. Allez Bernard. Malgré quelques frayeurs et avec Ginola et Guérin laissés au repos, Paris s'impose 1-0 et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France. Guingamp, que l'on retrouvera en deuxième division l'an prochain, concède sa première défaite de la saison. Michel Denisot et Noël Le Graët se saluent. Le président de la Ligue peut être satisfait. Les 15 000 spectateurs du stade du Roudourou ont assisté à un excellent spectacle. Et bien valable, rien n'a redit. Guy Varche et Rouxel tenteront à plusieurs reprises le tout, hélas, sans réussite. Et quand enfin, à force d'oser, la réussite vient, sur cette tête de Rouxel, le but est refusé par l'arbitre pour sortie de ballon. Sur cette trajectoire rentrante. Dommage, ils auraient mérité mieux. Mais qu'importe, ils ont fait honneur au football breton, au football tout court. Et porter le maillot du Paris Saint-Germain pour leur tour d'honneur n'avait rien d'usurpé. Kenavo Guingamp. Et à bientôt.